Liebes Publikum, herzlich willkommen in der Philharmonie Essen zum Künstlergespräch, diesmal mit Raphael Pichon, der mit seinem Ensemble Pygmalion in dieser Spielzeit hier Artist in Residence ist. Er hat uns 7 Konzerte vorbereitet, die die ganze Bandbreite dieses Ensembles abdecken werden. Pygmalion wurde 2006 gegründet. Es besteht aus einem Chor und einem Orchester und ist mitnichten nur auf barocke Klänge spezialisiert. Cher Raphaël Pichon, je suis ravi de vous accueillir ici à la Philharmonie. Bienvenue. Merci, je me réjouis aussi beaucoup. Vous êtes artist in residence, comme on dit ici, dans une saison où la vie artistique peut enfin reprendre souffle et recommencer à fleurir. Je croise les doigts. Vous avez préparé 7 concerts très riches, très variés, très surprenants aussi. On en parlera tout à l'heure, mais ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est votre parcours musical personnel. L'ensemble Pygmalion, vous l'avez créé à l'âge de 22 ans, si je ne me trompe pas. C'est assez courageux. Quel a été votre départ, votre éveil musical, le déclic, pour ainsi dire? Bien, écoutez, je viens d'une famille où la musique était un petit peu présente, parce que mon père est un grand amateur de guitare classique, de musique espagnole, ma mère de piano. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, mais voilà, la musique était là. Et il y a eu un hasard, un très beau hasard, c'est qu'il existe ce système en France qui s'appelle musique-études, c'est-à-dire le matin, l'enseignement traditionnel, et l'après-midi est entièrement réservé à la musique en lien avec les conservatoires. Et donc, quand j'ai eu l'âge de 6 ans, donc très jeune, j'ai pu entrer dans ce système scolaire qui était juste à côté de chez nous. Donc, il y a eu un peu ce coup de pouce de la vie. Et j'y ai commencé le violon avec assez peu d'intérêt, dans une approche très technique. Et quelques années plus tard, là encore un coup de pouce de la vie, le professeur de chorale étant malade, c'est un autre chef qui est venu pour dépanner, en dépannage, et qui était le Kapellmeister du Knabenchor, de la maîtrise à Versailles, à côté de Paris. Et ce chef a demandé à mes parents si je pourrais être intéressé à l'idée d'intégrer cette maîtrise. Et au départ, j'ai un peu freiné mes parents, dire, je ne suis pas sûr, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse. Je dirais qu'à ce moment-là, la musique me glissait un tout petit peu dessus. Et puis finalement, j'ai intégré cette maîtrise, j'avais 9 ans. Et première œuvre, c'était en janvier, et il préparait la Passion selon Saint Jean de Bach. Et la messe était dite. Et ensuite, je crois que c'est un choc immense pour un, comme beaucoup de jeunes enfants qui peuvent avoir la chance de vivre cette expérience, c'est la découverte de la polyphonie. La découverte de la magie presque chimique du son, c'est-à-dire tout d'un coup créer un son qui prend vie dans une acoustique, l'atmosphère, la pesanteur d'un lieu, puisque évidemment nous étions attachés à une église, l'église Notre-Dame de Versailles, l'espace, l'architecture, le son, être l'un parmi tant d'autres à l'intérieur de cette polyphonie. Ensuite, peut-être l'œuvre, bien sûr, Bach, quelque chose qui vous dépasse, que vous ne pouvez pas encore expliciter, vous n'avez aucune idée, et qui pourtant vous touche en plein cœur, vous fascine. La spiritualité, la mystique qui se dégage pour un jeune adolescent, tout jeune enfant, d'une telle œuvre. Et donc voilà, et le chant a changé ma vie. Et Bach a changé ma vie. Wow. Et ensuite, les choses ont été plus naturelles, si vous voulez. Ensuite, j'ai voulu finalement apprendre le clavier, l'orgue, le clavecin. J'ai voulu continuer à chanter. J'ai eu la chance que ce chef me confie quelques premières petites responsabilités comme accompagnateur, puis comme chef assistant. Et surtout, il y avait dans cette aventure de la maîtrise une dimension collective très importante, une dimension humaine et collective très importante, et qui finalement est à la racine de mon rapport à la musique. Donc peut-être que ça peut étonner de fonder un ensemble à 22 ans, mais c'était ça profondément que je désirais embrasser comme vie de musicien. C'était pas tant un rêve de chef d'orchestre symphonique, ou c'était finalement de perpétuer, de continuer cette aventure collective.
avec mon propre groupe et avec aussi cette double casquette, puisque j'étais à la fois violoniste et chanteur, cette volonté de vraiment travailler un travail de fusion entre les instruments et les voix. D'accord. Donc c'était un travail très très naturel, un chemin qui s'est imposé en fait. Oui, en tout cas, qui ensuite a connu, et c'est pas une histoire toujours très simple, parce que la vie n'est pas toujours très simple, mais oui, en tout cas quelque chose, je crois, depuis que j'ai l'âge de 14 ou 15 ans, qui était vraiment au fond de moi depuis toujours. D'accord. Donc vous avez créé cet ensemble. Pourquoi ce nom déjà, Pygmalion ? Parce que quand j'ai intégré le conservatoire de Paris, j'avais 18 ans, et j'avais été assez étonné, un peu triste, car je trouvais que tous les enseignements étaient très segmentés, très séparés. À cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui où on a fait, je trouve, énormément de progrès et d'avancées dans la vie des établissements d'enseignement en France, en tout cas dans les conservatoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de masterclass, il y a beaucoup de projets, on monte des opéras, on monte des concerts, on monte des projets de rencontres. À cette époque-là, les enseignements étaient très segmentés et donc j'avais tenté de monter un projet qui mélangeait plusieurs écoles, plusieurs conservatoires, en allant des métiers musicaux, mais aussi au métier de la régie, au métier technique, au métier du décor, au métier des costumes, pour monter un petit opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau qui s'appelle Pygmalion. D'accord. Et donc ce projet ne s'est pas fait, il était trop ambitieux. Et quelques années plus tard, quand ce groupe Pygmalion est né, il a fallu trouver un nom. Et j'avais en mémoire ce projet. Et finalement, le mythe de Pygmalion peut se lire, évidemment, sous différents visages. Moi, il y a un visage qui me touche tout particulièrement, c'est ce sculpteur. Donc là, on parle tout d'un coup de matière, de quelque chose de très concret. Ce sculpteur qui, avec une ardeur et une volonté, une curiosité, une passion totale, cherche à sculpter un objet de fantasme, cette femme, et surtout un objet passionnel. Et il y met toute son âme, tout son corps, un labeur, donc il y a aussi une notion d'effort, pour sculpter cette matière et lui donner vie, d'une certaine façon. Et donc, évidemment, il y a ensuite l'intervention d'Aphrodite, qui décide, touchée par ce sculpteur, de lui donner vie. Et je trouvais que c'était finalement une très belle manière de raconter notre métier de musicien, à savoir évidemment ce rapport à la matière, au contour, au relief, au reflet de la lumière, à la couleur, en espérant que, au moment du concert, Aphrodite daigne donner vie à tout cela. Donc un rapport à la fois mystique, avec l'intervention des dieux, un rapport en même temps très artisanal et très concret. Et je trouvais que toutes ces dimensions avaient une traduction et une définition très belle du projet de Pygmalion. Et aussi, Pygmalion est un nom universel, comme l'est la musique, puisque c'est une langue que tout le monde parle et n'a pas besoin d'apprendre. Et Pygmalion, par ses racines et même, je dirais, l'étymologie de ce mot, et quelque chose qui nous attache à une culture totalement universelle, et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est primordial dans notre approche de la musique. Ouais, tout à fait. Une très belle histoire, merci. Et quelle est donc la vocation de l'ensemble ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur ou des fils conducteurs dans votre travail ? Oui, bien sûr. Ouais. Le premier s'est imposé aussi à nous, c'était ce socle, presque je dirais cette maison mère, qui a été le travail autour de Jean-Sébastien Bach. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a commencé en 2006, Jean-Sébastien Bach était un compositeur pour sa musique sacrée, qui était finalement très peu abordé par les musiciens français. Ah, d'accord. C'était une époque où, évidemment, il y avait eu Nicolas Harnoncourt et Gustave Leonhardt. Et puis ensuite, c'était les générations de Philippe Hervaig et puis John Elliott Gardiner qui a changé beaucoup de choses dans son approche. Mais finalement, en France,
Les arts florissants, William Christie, Marc Minkowski, Christophe Rousset, toutes ces grandes figures françaises n'abordaient pas Jean-Sébastien Bach. Et donc, moi j'avais très envie, c'est même pas que j'avais très envie, c'était évident pour moi que ça devait être notre point de départ. Et pour cela, je m'étais fixé comme objectif de visiter tous les couloirs de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, ces œuvres considérées un peu comme mineures et qui allaient nous permettre de faire connaissance, d'apprivoiser son langage et son vocabulaire, et ensuite de se construire petit à petit des outils pour aborder étape par étape les grandes œuvres. Donc il y a eu Jean-Sébastien Bach, très vite Jean-Philippe Rameau, la musique française, parce que je suis très attaché à la musique française, et donc aussi cet équilibre qui me paraissait très important entre musique sacrée et musique de théâtre, parce que j'aime profondément le théâtre. Et donc, de ces deux compositeurs, si vous voulez, ensuite, ont découlé l'envie de tracer des lignes. J'aime beaucoup fonctionner par fil rouge, j'aime beaucoup fonctionner par héritage culturel. Et donc, nous avons passé beaucoup de temps à essayer aussi de nous approprier, de comprendre les origines de Jean-Sébastien Bach, comment un tel génie a pu être rendu possible, et ensuite aussi son héritage. Ce qui nous amène petit à petit ensuite à Mendelssohn, Schubert, Brahms. Et pour Rameau, c'est un petit peu pareil, avec aujourd'hui tout un travail autour de Gluck, un travail bientôt autour de la musique française romantique, et Mozart, qui a pris une importance particulière. Je pourrais aussi vous parler de l'importance du travail choral. On fait aussi beaucoup de choses sur le travail a cappella. J'espère qu'on pourra... On a passé un petit peu de temps autour de commandes à des compositeurs pour nos instruments d'époque aussi. Je trouve qu'il y a des... Voilà, le champ des possibles est gigantesque, mais ces jeux de fil rouge culturel me paraissent indispensables, parce que c'est une question de vocabulaire, de langue qu'il faut s'approprier et qui peut traverser le temps. Je trouve beaucoup plus naturel, si vous voulez. Souvent, on a voulu que, par notre approche très chronologique des répertoires, ranger les interprètes dans des couches et des strates temporelles, alors que je trouve beaucoup plus naturel de jouer le lundi du Bach, le mardi du Mendelssohn et le mercredi le concerto à la mémoire d'un ange de Berg, que de jouer Bach, Monteverdi et Purcell. Les mondes sont beaucoup plus éloignés d'une certaine façon. Pourtant, ce qui frappe dans votre programmation en général, c'est qu'il n'y a jamais une seule juxtaposition de pièces célèbres, bien-aimées, etc., etc. Mais il y a toujours une grande réflexion, il y a toujours des liens, très évidents parfois, mais parfois aussi un peu surprenants, entre les œuvres. Donc comment est-ce que vous concevez vos programmes? Est-ce qu'il y a un point de départ qu'il faut trouver? Est-ce qu'il y a une longue réflexion qui est au départ? Il y a plusieurs réflexions. La première, c'est l'influence des très grands chefs-d'œuvre. Si on parle des Passions de Bach, si on parle de Ein Deutsches Requiem de Brahms, ou du théâtre de Mozart, ou du théâtre de Monteverdi, quelque chose qui est frappant, c'est cet arc tendu. C'est quelque chose qui, du point de départ jusqu'à l'arrivée, se tend avec des étapes, avec des moments clés, avec des ruptures, avec des contrastes et avec un propos qui participe pleinement à notre possibilité de ressentir et d'écouter la musique et leur message. Et donc, je trouve que ce constat m'a toujours donné envie, depuis toujours, que quand on ne donne pas des œuvres complètes et qu'on construit des programmes, chose que j'adore, j'aime beaucoup ça, je trouve ça passionnant, humblement d'essayer, sans vouloir toucher au génie de ces grands compositeurs, se donner cette même exigence de construction, de pensée des programmes, mais de construction émotionnelle. Ce n'est pas une approche purement intellectuelle, c'est quelque chose, je l'espère, qui doit participer à l'écoute et au ressenti, à la façon dont on peut recevoir la musique. Et donc ces jeux de rupture, ces jeux d'éclairage, ces jeux de contraste, mais aussi des histoires que l'on peut raconter. Et je trouve que c'est une chose très importante dans presque notre responsabilité aussi aujourd'hui, à continuer à faire vivre un héritage de ces générations
dont on parlait il y a quelques minutes, de Nikolaus Harnoncourt, de toutes ces grandes figures qui ont permis ce grand bouleversement dans le XXe siècle avec la réapparition de tous ces répertoires et des instruments d'époque. Et donc, je trouve que nous, en tant que jeunes interprètes, jeunes générations, on est de moins en moins jeunes, mais quand même, eh bien, je trouve qu'on a une forme de responsabilité à être toujours plus exigeant pour nous et pour le public, pour apporter parfois un nouveau regard et une autre façon de lire ou de ressentir tous ces répertoires.